On les oppose, à tort, aux détenus. Mais finalement, les surveillants de prison sont dans la même galère. Dernière roue du carrosse du système carcéral à cause du manque de considération et surtout de moyens. Soumis à une pression psychologique constante et risquant tous les jours leur intégrité physique, leur rôle ne se limite plus à la surveillance et au maintien de l'ordre dans les bâtiments. Ils gèrent désormais l'urgence au quotidien, la misère intellectuelle et affective, la détresse des détenus, endossant tour à tour les rôles d'assistante sociale ou de médecin. Est-ce que la prison sert à quelque chose ? Est-ce que fermer quelqu'un entre quatre murs sert à quelque chose ? S'il est impossible de scier les barreaux de la prison, il fut possible au réalisateur Didier Cross d'y entrer. Un séjour de plusieurs mois au centre de détention de Châteaudun pour faire sauter les verrous d'une profession toujours enfermée dans les clichés et découvrir ce soir la prison comme vous ne l'avez encore jamais vue. Fit pas d'argent cette année dans la catégorie grand reportage, sous surveillance, tout de suite dans Infrarouge. Asseyez-vous. Bon, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bon, je vous reçois parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis le chef du bâtiment. Maintenant, vous êtes sous ma responsabilité. Donc, je voulais faire connaissance un peu avec vous, savoir qui vous a emmené en prison et ce que vous voulez faire de votre détention. Je suis incarcéré depuis 98. Quoi? Meurtre, préméditation. J'ai mis 18 ans. Ils m'ont ramené ici à Châteaudun. Et ça vous convient pas, Châteaudun, non? Je sais pas, là, je suis aux arrivants, on fait des trucs bizarres. Tout. Ouais. Bon, moi, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement du bâtiment, vous connaissez ou pas? Non. Donc là, vous êtes en zéro, en régime ordinaire. Régime ordinaire, c'est-à-dire que la porte est fermée. Ouais. C'est un peu comme une maison d'arrêt, quoi. Si vous voulez aller à la douche, vous demandez aux surveillants. Si vous voulez aller, je sais pas, aux sociaux ou aux médicales, c'est le surveillant qui ouvre la porte, d'accord? Ensuite, au premier étage et au deuxième étage, vous avez les régimes ouverts. Donc là, vous avez la clé de votre cellule. Donc c'est-à-dire que c'est pas que vous pouvez vous balader quand vous voulez, mais vous êtes libre au moins dans l'aile. Vous pouvez aller à la cuisine, vous pouvez aller vous doucher quand vous voulez, etc. Donc vous avez plus de liberté. On y met au régime ordinaire les personnes dont le comportement n'est pas compatible avec le régime ouvert. On les met en régime ordinaire. D'accord ? Donc là, vous êtes arrivé du bâtiment arrivant. Ça fait combien de temps que vous êtes à Châteaudun ? Une semaine. Une semaine. Donc vous êtes placé en régime ordinaire parce que vous avez traité les surveillants de bande de fils de pute. Vous reconnaissez les faits ou pas ? Oui. Non. Le problème, c'est que vos agents, ils provoquent. Et après, ils ne sont pas prêts à assumer les confrontations. Et moi non plus, je vous le dis sincèrement, je ne suis plus prêt. C'est bon, 12 ans de placard, j'ai assez donné. Il y en a marre. Je ne veux pas me retrouver ton histoire à frapper un agent et prendre 6 mois. Surtout sachant ce qui va me... Je connais vos histoires de prison, la shooteuse, on va vous gonfler à plusieurs. C'est pareil, ces histoires, vous n'allez pas me la faire à moi. Vous me dites non, ça se passe comme ça en prison. Pas ici en tout cas. Plus ici en tout cas. Okay. Ça s'est peut-être fait, mais ça ne se fait plus. Je me suis emballé, c'est vrai, c'est le matin, surveillant. Hier, il m'a refusé un verre. Le verre, je l'ai claqué dans la poubelle, voilà, comme ça, il n'y a pas de problème de verre. Et ce matin, c'était une bouteille d'eau. C'est pas pour vous. Mais c'est pas de règlement, faut arrêter les bouteilles d'eau en promenade. C'est interdit, une bouteille d'eau transparente en promenade.
C'est stipulé dans quel article du règlement intérieur ? Le règlement intérieur. Et où votre règlement intérieur ? Vous l'avez en consultation à la bibliothèque. Ok. Donc vous y allez, puis vous... Je vais y aller, je vais vous regardez ça. Votre règlement, il n'y a pas de problème. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu dommage de s'énerver pour ça et de se finir en régime ordinaire pour ça ? J'ai pas fait d'histoire, j'ai tant si vous avez traité qu'elle est surveillante, fils de pute. Il faut arrêter, c'est vous l'avez pas fait ça ? Bref, il n'y a pas de problème. Je vais y aller au métard, vous mettez 15 jours de métard pour ça ? C'est pas tout de suite, je fais mon pactage, tout de suite, je vous fais 30 jours cadeau. Vous voulez 30 jours de métard cadeau ? Moi, vous savez ce que j'ai envie ? J'ai envie de vous monter au deuxième, que vous travaillez aux ateliers, tranquille, bam, dans 18 mois, vous sortez. Non, merci, l'atelier, c'est pas pour moi. Ouais, bon, l'atelier ou autre chose. Mais dans 18 mois, paf, vous sortez, on n'en parle plus, vous êtes inséré et c'est fini la prison. Moi, c'est ça dont j'ai envie. Vous mettre faire la misère, vous mettre au trou, tout mais ça. Mais la misère, il n'y a personne qui va me la faire. La misère, c'est moi, je décide quand je vais la faire. Je vous le dis. D'accord. Allez me laisser à Fleury, j'étais bien, PlayStation, mes potes. J'ai pas besoin de venir ici pour rester dans la cellule. Autant je reste en maison d'arrêt. Ça, j'en sais rien. La sanction, elle est combien de temps, là, au régime fermé ? C'est pas une sanction, hein. C'est dans votre bouche, c'est pas une sanction. Mais nous, dans notre vécu, dans la façon de vivre, c'est une sanction. Après, je comprends. Donc voilà, le poids des mots, il est important. Ouais. Pour vous, c'est pas une sanction, mais pour nous, c'est une sanction. Si vous voulez, il faut inverser la perspective. Le premier étage ou le deuxième étage est une récompense. Bonjour. J'ai les mains dans les poches. Ouais, c'est mieux. Vous avez la grâce du Seigneur, je pense. La grâce du Seigneur. Ouais. Ce que vous êtes proposé en sortie du régime ordinaire, ouais. Du régime fermé, du moins. Et moi, j'avais votre feuille tout à l'heure sous les yeux. Les avis étaient quand même assez mitigés. Quoi qu'il en soit, le lieutenant a pris la décision de vous donner votre chance. Donc en observation de la part de mes agents, j'avais aucun souci avec moi, correct, c'était le 19, poli mais aurait plusieurs facettes. Musique forte. Alors d'habitude, moi, la musique forte, c'est vous restez en bas. D'accord ? Okay. Le lieutenant vous a pris dans ses bonnes grâces. Musique forte, sinon on doit commencer le circuit pour se réinsérer. Ça, vous êtes dedans puisque vous avez fait déjà la demande de travail. Ouais. Je suis à l'école aussi, là. Et en plus, il y a l'école. Ouais. Vous étiez ce matin, d'ailleurs. Ouais. Par contre, la dernière, là, elle est carrément catastrophique, entre guillemets. Arrogant, musique forte, aucun effort de réinsertion. Alors, aucun effort de réinsertion, là, il y a l'école, et puis vous êtes sur la liste d'attente. Donc, pour moi, ça, c'est zappé, d'accord ? Okay. Mais arrogant, quand le surveillant, il vous dit quelque chose, c'est pas la peine de se la péter au-dessus des oreilles, hein ? Ouais. Ok ? Donc, la grâce du Seigneur vous est faite, je le répète pour la 10e fois, au minimum. Okay. Prouvez-nous que vous êtes capable de rester en milieu ouvert. Et de ne pas redescendre avec RT Fracas. Ok, pas de problème. Ok ? Ok. Ça marche. On fait comme ça ? Ok. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, bah écoute, ça on la confirme. Ça, c'est fait. Perso, j'y crois pas. Hein. On verra. J'ai un grand doute, mais bon. Si je me trompe au même titre que c'est pour lui qui a fait les conneries, tant mieux. Ouais. Tant mieux pour lui, surtout. On verra bien, mais... Bon, ça règle toujours pas notre problème. Non. Bon, enfin, vas-y, continue. Alors, détenu posé, discret, respecte le règlement intérieur. Bah voilà. Détenu très demandeur et impoli, prend le personnel de haut, arrogant. Arrogant, musique forte, rappel à l'ordre, ton souvent agressif. Ne sait pas vivre en collectivité, ne répond pas au beau jour et à l'ouverture. Bah voilà. Proposition de régime fermé. 10 de 95, il est où, lui ? Nord 225. Détenu impatient de finir sa peine correcte ce jour. Personnalité construite. Il est sur le 15. Il est libéré le 15 ? Ouais. Il était libéré. Hop, il est à la poubelle. Ah bah regarde, on en a encore un deuxième. Ah bah impeccable.
Détenus pénibles, immatures, hein, traînent lors des mouvements, lors de la fermeture, restent au gris pour discuter, il y a toujours quelque chose à demander. Indiscipliné, on doit le reprendre régulièrement. Désagréable, qui traîne lors des mouvements, arrogant, traîne au gris. Ben voilà. Détenus qui semblent très jeunes et influençables. Ben voilà, ça irait bien ça. Impeccable. Tu me mets de côté? Bah oui. Ah, ils ont fait deux, régime fermé. Ça c'est bien. Voilà. Elle t'a croisé ton gars? Tu l'as recroisé ton gars? Ah, c'est qu'il voulait pas rentrer. Pas encore. Ah, pas encore, hein? Sinon, vous allez vous tuer encore, hein? Vas-y, vas-y. Eh, t'es informatique demain, là? Ouais, demain, je suis là, ouais. Eh, sur ma gueule, hein? Sûr. Vas-y, vas-y. Vas-y, à demain, mon gros. Vas-y, à ma deux. Vas-y, lui, à l'autre, hein? Ouais. Eh, dis à Laurent que c'est pas moi qui la carotte, ma gueule, hein? Oh, putain. Ça va, toi, ou pas? Ça va, là, bien, ça. On va regarder les procédures disciplinaires vous concernant. Ah, moi, monsieur, c'est comme, je suis comme ça. Hein, ouais. Pas de pas changer. Hein. Mais justement, c'est ça. Alors, là, je vous arrête, Ginta. C'est justement pour ça. C'est justement ce à quoi peut servir l'incarcération. Vous changez. Vous m'avez dit la dernière fois que je vous avais vu. Mais ça m'a changé. Ça m'a changé beaucoup de choses. Ça va faire 3 ans que je suis en prison. Ça va faire 2 ans et demi que je suis en prison. Ça vous changeait quoi? Ça vous a changé quoi? Ah, déjà, il faut travailler. Déjà, il faut travailler. Faut travailler. Mais vous allez pas travailler? Bah si, je vais travailler. Pourquoi vous me dites que je vais pas travailler? Non, en prison, je veux dire. Ouais, mais si on me donne la possibilité de travailler en prison, je vais. Vous avez jamais manifesté? Mais bien sûr que si, j'ai fait des mots, j'arrête pas dans. Est-ce que vous pensez? Depuis que je suis arrivé ici, là, ça fait 6 mois que je suis dans cette prison-là. Ça fait 6 mois que je fais des trucs pour mon dentiste. Jamais de la vie m'ont appelé. Ça, je peux m'en occuper, par contre. C'est à moi qu'il faut écrire. Ben, j'écris à vous, j'écris partout, moi. Vous avez mal aux dents? Ben, j'ai un trou dans la dent. Vous avez du mal à manger? Je mange normal, mais je suis obligé de me laver les dents, je suis obligé de prendre des cachets pour les dents. Comme question, est-ce que vous pensez que votre comportement au jour le jour nous donne envie de vous donner un travail et de vous faire confiance? Ben comme je vous ai... C'est la question que je vous pose. La dernière fois, on vous envoie à la bibliothèque, vous voyez le journal. Je peux dire quelque chose? Oui, dites-moi. Mais j'ai rien volé du tout. Oh, c'est quelqu'un, il m'a donné. J'ai dit, lis-moi les faits divers, il m'a lu les faits divers, c'est tout. Le surveillant du socio de la bibliothèque nous appelle et nous dit, on m'a volé aujourd'hui en France. Et qu'est-ce qu'on voit dans la cour de promenade? On voit Winter avec le journal dans les mains. Bah ouais. Vous trouvez ça intelligent, vous? En parlant d'intelligent, est-ce que moi je l'aurais pris comme ça, j'aurais fait montrer dans le jeu? En plus, vous ne savez même pas lire. Bah ouais, je sais pas lire. Vous rappelez que vous savez pas lire? Bah ouais, je sais pas lire. Par contre, est-ce que vous pensez pas que pendant ces 2 ans et demi, vous auriez pu apprendre à lire? Non, bien sûr. Il faut. Je ne veux pas dire que vous soyez sage, vous n'êtes pas un gamin. Mais avec un comportement correct, un bout de temps, un long temps, il ne s'agit pas d'être correct une journée, de dire, chef, hier j'ai été un comportement sur du long terme, ça vous permettrait d'accéder. D'abord au travail, et ensuite à l'étage ouvert avec l'office, les douches à volonté, la cellule ouverte, la vie en détention, quoi. Les promenades, les activités, la vie en centre de détention. Parce que là, vous n'êtes pas en centre de détention, vous êtes en maison d'arrêt. Bah ouais. Porte fermée, c'est... Ah, mais il y a la haine aussi, il y a la haine de ça aussi. Mais... sort, après, comme vous avez dit l'autre jour, vous me voyez dans le couloir en train de me balader. C'est normal qu'on esquive, on essaye d'esquiver. Prenez la chose par le bon bout. Améliorez votre comportement. Vous aurez accès au travail. Vous aurez accès après au régime ouvert et vous aurez accès après à tout le reste. Et votre détention passera beaucoup plus vite. Et vous n'aurez même plus envie de traîner dans les couloirs parce que vous aurez accès. Bien sûr. Bah, c'est ça qui est. Bien sûr. Mais moi, je suis prêt à faire l'essai, mais il faut me donner quelque chose. Thank you.
Oui, c'est Madame Bouvet. Non, c'est pas Madame Bouvet. Ouais, j'ai un souci, il me faudrait quelqu'un à la blanchisserie. Ouais, parce que j'ai un détenu qui a la gale, il me faudrait des affaires. Et visiblement, il n'y a plus personne. Est-ce que vous pourrez trouver quelqu'un qui pourrait aller à la blanchisserie chercher des affaires propres? Jézéka, lieutenant du bâtiment B, C et plein d'autres choses. Non, pour l'instant, il est dans sa cellule et on ne sait pas quoi en faire. Alors, à la rigueur, la cellule, moi, ça m'embête pas, je la ferme. On n'en parle plus. D'accord? Mais... Non, et tout est dans la cellule. Le pantalon, ce sera un 42 et les chaussures, un 45. Et alors, si possible, il aime beaucoup le vert. C'est couleur de l'espoir. Je vous remercie. Michael, c'est Amaury. Ouais, Amaury. Bon, bonne nouvelle. Tu vas renvoyer Mogé au médical. Mogé ou Maubert? Maubert. Ah merde, c'est Maubert, ouais, c'est Maubert. Maubert au médical. Tu vas faire fermer sa cellule avec interdiction de l'ouvrir et tu vas lui trouver une place où il va dormir ce soir. J'ai pas de place, mon petit bonhomme. Ah bah, il faut que tu inventes une place. T'as pas de place non plus, super. Ah, t'as pas une place n'importe quoi? Mais c'est pas grave, tu le mets en doublette. Mais non, tu peux pas, il faut que ce soit en cellule seule. Qui, Mogé? Maubert. Mais Maubert, tu le mets pour ce soir. Demain, il repart dans sa cellule, c'est juste pour de manière pour la nuit, quoi. S'il contamine, c'est ça, oui. Mais non, il va être relavé, tu lui dis même pas. Bah, il est pas con, l'autre, il va le voir arriver en survêt, à mon avis, il va comprendre. Et tu lui dis que c'est juste pour ce soir, qu'il n'y a aucun problème, et que demain, il repart dans sa cellule. Ça marche? Tu veux que je répète ou t'as compris? Donc, tu renvoies le détenu au médical. Ouais. Et quand il revient, donc t'auras fait fermer sa cellule et ouais, tu le mets en doublette avec l'autre. Et n'importe. Tu expliques quoi? Tu lui dis. À qui est l'autre? À qui est la mère là? Bah, tu lui dis, c'est qu'il a la gale, lui. Je le verrai demain matin. Ouais, mais apparemment. Il est là, mais il est où? Il est là, mais mais s'il est propre, il n'y a pas de risque. Ouais, je le verrai demain. On va le laver. S'il est aux ateliers, on fait le matinée. Il n'y a pas moyen de le prendre. Enfin, je ferai pour le verrer. Mais j'ai pas la place. Merci. Même si je te. Bon, alors tu m'envoies un mec en échange ordinaire, j'ai pas de place. Lui-même. Je n'ai pas de place. Rien du tout. J'ai pas de place. Justement, c'est mon gars qui te fuit là. Donc, tu bois un machin, tu lui dis que. Il y a un problème à sa cellule, t'as qu'à dire qu'il y a des cafards. Il y a plein de cafards partout. Quelle position il était? Quelle position il était? Michael, je te. Quelle position il était? Qui? Mais Maubert là. Il est à quelle position Maubert là? Quelle position à l'heure actuelle? Michael? T'étais pas. Attends, je regarde. Viens, regarde. Maubert, il est à la C016 Est. C016 Est. Je le mets sur le bâtiment, je le mets sur la en doublette avec je sais pas qui là. Hein? Pourquoi je peux pas? Bon, okay, ça marche? Je le fais, hein? Ouais, merci. Ça marche. Pourquoi je peux pas? Il a la gueule, tu peux pas le bouger. Mais il est traité, c'est bon. Il est traité de quoi? Mais il va aller se faire traiter là au médical. Tu crois? Mais oui, il va là, j'en suis sûr. Il vérifie avec Patrice. Moi je crois pas. Hein. Moi, je crois qu'il faut qu'il dégage une simple, qu'il mette dans la doublette et qu'il reste. Est-ce que ça pose un souci de mettre Maubert tout propre en doublette? Ah, mais on peut pas, t'as raison. Bah oui, bah oui, c'est logique. Ouais, mais il est traité. Il faut qu'un client, il fasse une. Bon, bah je sais pas où je le mets. Hein, je... Mais attends, bah régime en ligne. Bon, bah tu rappelles Michael, tu dis qu'il va le faire. Ah ouais, mais là il est en ligne. Ouais, et par contre, est-ce que. Bah je vais le mettre en régime ordinaire alors. J'ai pas de place. Il n'y a pas de place au C, il n'y a pas de place. Ah ouais, regarde s'il y a une place pour cette place. Premier, il a 4 places, mais est-ce qu'il les a pas prévues? Premier ouest, 2 places au nord. Ouais. Attends, mais je vais appeler Gilles. Bon, sur le cul, je te retiens au courant. Antoine, là, oui, là. Problème de gale, là, au niveau du bâtiment C. Donc il faut qu'on le mette en cellule simple, mais c'est que pour une nuit. Ouais. Il peut dépanner jusqu'à mercredi, en fait, grossièrement, maximum, quoi. Mercredi, c'est la semaine prochaine? Ouais. Bah, c'est nickel. C'est bon? Je te tiens au courant. Ok, je te remercie. A plus, tu vois. Il peut rester jusqu'à mercredi, tu dis? Mercredi, après le mec du C, mais il faut que mardi ou mercredi matin dans la carrière. C'est bon, ce sera bon. Appelle Suisse, mais je sais pas si c'est encore là. Suisse, quoi faire? Bah, c'est eux qui désinfectent les cellules. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis mangé une fouille il y a une semaine. Je vais vous dire quelque chose, hein, il y en aura d'autres des fouilles. Hein. Il y en aura d'autres. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi? Mais parce qu'on fouille, les cellules sont fouillées. Chaque semaine, une fouille. Non, c'est peut-être le. C'est le même surveillant, quoi. Le même surveillant. C'est vous. C'est pas de bonne. Je sais pas, je pense que je trouve des erreurs. Moi, à Châteaudun, c'est ce monsieur qui m'a. C'est le hasard. Le surveillant qui m'a fouillé deux fois en deux semaines. C'est le hasard. C'est le hasard pendant 15 mois, j'ai pas eu. C'est le hasard. Vous savez comment on se programme les fouilles?
de manière aléatoire. C'est moi qui les programme, les fouilles. Alors je me suis pas dit, tiens, il y a le surveillant qui vient, je vais lui faire fouiller. Non, mais quand même, c'est... Vous fouillez combien de cellules par jour? Une échec pas, une échec service. Voilà, et c'est tombé sans vous. Ça s'arrête là. Bon, mais je vais être clair avec vous. Demain, régime ordinaire. Pourquoi ? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, régime ordinaire, c'est porte fermée, régime fermé. Donc. Ah, bah, ouais, je sais ce que c'est. Régime, c'est ce que c'est. Ouais. Pourquoi ? Au niveau des couloirs de circulation, vous avez été vu au minimum 3 fois dans les couloirs de circulation à traîner. Alors, je vais essayer de vous retrouver les dates exactes. Donc, demain, c'est régime ordinaire. Et puis, je vais être honnête avec vous, ça m'arrange. J'avais besoin de place. Moi, quelqu'un qui ne respecte pas le régime ouvert, quelqu'un qui fait le con, parce que vous m'excusez, mais moi, j'appelle ça faire le con, il descend en régime fermé. Donc, c'est triste, mais ça va peut-être vous permettre de réfléchir. D'accord ? Vous avez été recadré minimum 2 fois par le lieutenant Jézéquel. Minimum 2 fois, il y a marqué. Ah bah ouais, bah ouais. Quand je vous ai vu l'autre jour dans le couloir, vous vous en souvenez ? Ah bah ouais, je me rappelle. J'ai dit, si j'arrive à voir le lieutenant Jézéquel en ligne, c'est tout de suite le régime ordinaire. Ah bah vous ouais, souvenez, après bah, je l'ai vu, ouais, le chef. Et alors il vous a dit quoi ? Il vous a recadré ? Ah bah après il m'a dit, ouais bah là c'était la dernière fois, que la prochaine fois ouais, c'était régime ordinaire. Et après bah depuis... Là, c'est réglé. L'histoire elle est réglée, c'est régime ordinaire directement. C'est une doublette en plus, c'est pas de chance. J'ai que ça. Donc, vous savez comment ça fonctionne en bas ou pas ? Non, non. Donc, vous allez pouvoir continuer à travailler, hein, ça ne gêne en rien. L'incident, il n'a pas été déclaré au niveau des ateliers. Donc, vous allez continuer à travailler. Par contre, c'est de la porte fermée. Ce n'est plus les mêmes mouvements comme au premier, etc. Donc, le régime ordinaire, ça va faire quoi ? Ben, ça va vous permettre de vous ressaisir. Et maintenant, ça sera à vous à vous prendre en charge. On vous l'a dit. La détention, c'est vous qui la faites, ce n'est pas nous. C'est votre détention à vous. Ok ? Ah bah ouais. C'est clair ? Ah c'est clair. Ok. Sur ce, bonne soirée. Ah bah... Comment ça, être en doublette ? C'est de la doublette, c'est comme ça ? Ah bah non, bah, moi ça va pas se passer en doublette. Eh ben ça sera du quartier disciplinaire. Et c'est vous qui allez tout perdre, c'est pas moi. Réfléchissez. Bah au pire, moi je préfère être en quartier disciplinaire que d'être en doublette. Tout à fait, c'est vous qui voyez. Vous savez quoi ? La nuit porte conseil. Réfléchissez bien. Parce que qui dit quartier disciplinaire dit beaucoup d'autres choses derrière aussi. C'est pas le fait du passage au quartier qui est important. C'est la suite, c'est les conséquences qu'il va y avoir. Oh, donc vous m'expliquez maintenant, comme ça, moi je suis à quoi maintenant là. Ah ben je sais pas, vous avez demandé des permes, vous avez demandé quelque chose ? Non, oh, j'en demanderai pas. Non. Ah vous en demanderez pas, pourquoi ? Oh, voilà. Vous êtes libérable quand ? Août 2011. Août 2011, et vous n'allez rien demander du tout ? Non. Vous savez que le fait de travailler, vous bénéficiez de RPS. Ouais, je sais. Ouais. Ah, réduction de peine supplémentaire. Vous savez qu'en passant au quartier disciplinaire, tout ce qui est ERP, les crédits de réduction de peine, peuvent être supprimés. Ouais, bah ouais, normalement, ouais, c'est, ouais, vous je vous sais. Vous vous foutez. Bah non, mais c'est pas que je m'en fous, mais... Eh ben alors, soyez logique. Bah, je vous dis que vous descendez en régime ordinaire. Je vous mets dans une cellule, je vous mets dans la cellule que j'ai. Je peux pas vous mettre dans une cellule que j'ai pas. Donc là, vous allez aller en doublette. La doublette n'est pas une punition, c'est que je n'ai pas le choix. Ouais, bah... Donc vous allez aller à la doublette demain matin et vous allez y descendre et vous allez vous installer là-dedans. Et quand le laps de temps sera arrivé que j'aurai une cellule simple, vous allez aller dans la cellule simple et vous allez aller vous lever le matin et vous allez aller bosser aux ateliers et vous allez vous en sortir et vous allez avancer. Et vous allez remonter au premier, on va arrêter de parler de tout ça. Et je voudrais plus, et à ce moment-là, je veux plus vous voir dans les couloirs, je veux plus vous voir traîner, je veux plus avoir des remontées d'informations vous concernant. Ça fait même pas 15 jours que vous êtes sur le bâtiment, j'arrête pas d'avoir des remontées sur vous. C'est quand même fabuleux, ça. Pourtant, ouais, c'est rien de méchant. Il y a qui c'est, en fait, je vois ça. Vous savez quoi, vous savez quoi ? Ça va vous faire du bien, là, un peu en bas. Je vais être là pour vous y placer, parce que c'est moi qui l'ai décidé. Je serai là pour vous en sortir aussi. Donc, demain matin, n'allez pas me refuser votre affectation, que je vienne pas vous chercher avec des menottes pour vous amener au culé. Parce que vous y amenez au culé, c'est pas un problème, je vous y amènerai, ça, je vous le promets. Mais réfléchissez aux conséquences, c'est pas moi. Moi, le soir à 20h, je serai chez moi, pas vous. C'est ça que je veux que vous analysiez. OK ? On est d'accord ? Sur ce, fin d'audience. Merci. Gauthier Lebet. Oui. Sinon, j'ai plus de place du tout. J'ai plus rien. L'autre doublette à la suite 54, il est confiné, donc on peut mettre personne avec. Amish est seul en cellule. L'autre co est monté mercredi. Là, ce matin, j'ai bougé à tout moment pour le mettre en doublette avec Doula. Pour libérer la doublette suite 045, pour avoir une place de vide.
Sinon, si je te mettais un mec en simple avec leur passé en doublette, je le montais au trou, donc il n'y avait aucun avantage à tirer, quoi. Ça marche. Ciao, bye. Alors, noir, ouest. La 5, c'est... Marie, c'est bon. Ça va pas. Ça va pas, faut qu'ils prennent la 14. C'est pas impressionnant pour vous le quartier des CPR ? La première fois, ça le faisait avec l'équipe d'intervention, tout ça. Ça a fait un petit choc, mais après, ça y est, on s'habitue, ça devient comme un jeu. Combien de fois vous êtes allé au quartier ? Vous vous rappelez ou... Je les compte même plus des fois. Mais j'en ai fait pas mal. Vous avez fait combien d'établissements ? J'ai fait Limoges, j'ai fait Grasse, j'ai fait les Baumettes, Fresnes. C'est très très près votre sortie, vous. Ouais, c'est là, ça y est, ça approche. C'est... Normalement, c'est la veille de Noël, je dois sortir en plus. 23-12. Ouais, la veille de Noël. Ça, c'est un signe. Un signe. C'est un signe comme quoi vous allez trouver la rédemption et que vous allez vous réinsérer dans la société et qu'on ne vous verra plus jamais. Franchement, si ça aurait été le cas, je pense que ça aurait été le cas depuis très longtemps parce que je suis rentré dans ce milieu-là très 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 jeune. Et vous n'avez pas mis votre détention à profit pour apprendre autre chose, justement ? Franchement, ma détention, elle est passée vite. Hein. Même pas vu les années passées. Hein. Et voilà, nous, on est en prison. Moi, je parle pour moi, personnellement. Moi, je suis là en prison. Le temps, il passe, on rigole, tout ça. Finalement, ça vous a pas déplu, la prison ? Non, ça m'a pas déplu. Comme je vous ai dit la dernière fois, l'école du crime, elle m'a plus appris que l'école normale, plus que l'éducation nationale m'a appris. Et vous trouvez ça normal ? On trouve pas ça normal. Pour une personne normale, elle trouve pas ça normal. C'est pas normal. Enfin, moi, je pense dans la construction d'un individu, c'est pas normal de passer par la casse-prison. On en avait parlé la dernière fois. Vous vous rappelez de votre avenir. Vous avez trois choix. Vous vous rappelez des trois choix? Ouais, les trois choix. Soit aller travailler à l'usine pour un salaire fixe par mois. J'appelle ça à l'usine, moi. Oui, enfin, soit travailler pour un salaire fixe. Soit la perpète, soit en centrale. Soit la centrale. Soit c'est le cercueil, soit rapatriement, le cercueil. Voilà. Mais les jeunes détenus comme vous, ils ont que ces trois choix. On verra maintenant, on verra ce qui se passe dehors. C'est premier pour le C0, j'ai un cantinier qui monte vers toi. Qui c'est qui regarde la télé ? Allez, fouille deux cellules, moi je déconne. Oui, hein. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une blague, non ? Non, sérieux, mais regardez, chef. Prise d'otage à la prison de la santé, voilà. Ils ont montré des images ou quelque chose, non ? Non, pas encore, chef. En ce moment, on voit plein de trucs comme ça. Bon, allez, je vous laisse tranquille. À plus tard. Ah, mais il n'y a pas d'image encore. Il n'y a rien. Sur une ronde toutes les deux heures dessus ou pas? Il est comment en ce moment? Il est couché au fond de son lit, ça pue dans la cellule. C'est une catastrophe. C'est immonde. C'est immonde. Hein. On l'a jusqu'à lundi. Ouais, mais là, il faut faire quelque chose dans sa cellule. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il veut pas se lever. Hein. Même quand on lui demande de bouger, c'est pénible. Mais il est vivant quand même. Il est vivant parce qu'il nous parle. Parce qu'il gueule quand on lui demande de bouger, justement. C'est seulement où il est vivant. Pour l'instant, on va laisser la double ronde jusqu'à lundi. Et j'en parlerai en commission pluridisciplinaire unique pour son cas, savoir ce qu'on en fait, quoi. Bah, faut le mettre en doublette, lui. Qui ? Avec qui ? Je sais pas, mais avec qui ? Vous allez trouver quelqu'un qui va aller avec lui, alors qu'il faut s'éjecter par terre et qu'il efface ses clopes contre son mur. C'est un crado. Mais dans son lit, ses draps sont gris. Ils sont pas bons, ils sont gris, ça les échange pas.
Il se lève pas, il se lave pas, il prend pas de douche. Ils ont le même cas au bâtiment H. Ouais, c'est bon, j'ai fait la fouille, il y a corde à boucher. Hein. Ça va? Non, c'est infect, j'ai pas touché. Hein. Écrouté de partout, je touche pas. Hein. C'est infect, infect, infect. Écrouté, c'est les lésions, c'est la saleté, c'est quoi? La saleté, il a des croûtes partout, mais partout sur le corps, même aux parties intimes, il y en a partout, partout, partout. Il se lave pas du tout, quand il enlève un pull, il y a des lambeaux qui tombent, c'est une catastrophe. Puis une odeur. Ouais, bah on va doubler avec Kessie. Ah, faut les mettre ensemble, c'est là. Avec une bonbonne d'eau de Javel, hein. C'est une catastrophe. Bon, bon, vous avez eu ça marche, merci. Je vous reçois dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'accord? Enfin, deux même. Je vous fais lecture des faits reprochés. Donc la date. Oh, je connais les faits, genre. Je vous lis quand même. Donc la date du 23 septembre 2009 à 19h55. Ce jour, le détenu s'est présenté à la porte d'entrée à 19h55 pour son retour de permission initialement prévu pour 18h. Donc il vous est reproché d'avoir tenté de vous évader. En ne respectant pas les délais imposés par l'ordonnance de permission de sortir. Qu'est-ce que vous avez à déclarer par rapport à ça? Détenu. On n'a rien à déclarer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez en retard? Vous aviez décidé de ne pas rentrer? J'ai pas à m'expliquer. Ah bon? Le détenu déclare qu'il n'a pas à s'expliquer. Donc, j'aurais pas à m'expliquer non plus quand je dirais avis défavorable pour une perme. Ça marche. Rien d'autre à déclarer pour celle-ci? Non, les deux, rien à déclarer. Alors, la deuxième. Ce jour, suite au retour de permission de ce détenu, alors que j'effectuais sa fouille à corps et voyant que quelque chose le gênait au niveau des fesses, je lui ai demandé de me remettre l'objet. Ce détenu m'a remis un morceau de stupéfiant enveloppé dans du papier cellophane. J'ai fini la fouille et j'ai trouvé collé sous la semelle intérieure de basket un morceau de papier avec deux numéros de téléphone portable. Alors, les stupes, c'était quoi? C'était pour ça que vous vouliez rentrer en retard, pour pas être fouillé? Quelque chose à déclarer? Non plus? C'était pour votre consentement personnel? Ouais. Ouais. Le détenu déclare que le produit stupéfiant était destiné à sa consommation personnelle. Il y a autre chose à déclarer? Non. Vous savez que le patron est en droit de porter plainte? Le directeur de l'établissement. C'est ce que je vais lui conseiller. Rien d'autre à déclarer? Si vous passez en commission de discipline, ce qui est une grande chance, est-ce que vous souhaiterez un avocat ou pas? Ouais. D'accord. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous rappellerai pour l'avocat et tout le tavre. Maintenant, ça va mieux. Hier, ils m'ont donné mon traitement matin, midi, soir. Mais il faut que je vous dise un truc. Ce traitement-là, il faut que je mange avec. Je peux pas le prendre sans manger. C'est-à-dire le contramal. Mais vous mangez? Oui, la gamelle. Donc vous mangez, en fait, ce que l'administration pénitentiaire vous donne. Me donne, mais c'est pas ça qu'il me faut. Le matin, le midi et le soir, votre repas fourni par l'administration. Voilà. Vous voudriez avoir de l'argent. Mes cantines. Pour pouvoir cantiner, c'est-à-dire le magasin de la prison, en fait. Voilà. À force de pousser à bout, je vous le dis franchement, côté mon père, on est bouché. Le sang. Moi, j'ai grandi dans le sang. Le sang des animaux, pas le sang des... Les animaux. Ah, mais je vous promets que le sang de l'être humain, je l'ai bu à trappe. Ne vous inquiétez même pas pour moi quand j'étais jeune. Je m'inquiète pas. Ceci dit, ici à Châteaudun, M. Legrand, il m'a dit, vous avez tout à gagner, si vous restez tranquille. Ok. Une fois, est-ce que vous avez entendu Ken se battre? Ken.
Une fois. Attendez, je reprends. Si vous restez tranquille, vous n'êtes jamais resté tranquille comme... Bah, c'est pour en appuyant la carfan en demandant mon pécule. Jamais vous avez été tranquille. Jamais vous n'avez été devenu tranquille. Bah, dites-moi les reproches. Tout le temps dans la contestation, tout le temps interpeller les chefs, et chef, j'ai un problème de cantine, chef ça, tout, les grèves de la faim, mais vous en faites une tous les deux jours. Ouais, des rapports disciplinaires. Il n'y a aucun problème. Est-ce que vous pouvez voir avec la cantine qui me ramène mon tabac? Non. Et je reste en chien et puis... Oui. Et je vous ai dit 5 fois, c'est la 6e fois que je vous dis ça. Vous aurez le tabac dans les mêmes conditions. À Rennes, j'étais pas comme ça, je vous le dis franchement. Alors retournez à Rennes. À Rennes, j'étais pas comme ça. Le sang est coulé. Je buvais le sang de l'être humain à la maison d'arrêt, à Jacquartier, je vous le promets. On va arrêter là. Essayez de boire le sang de personne d'ici votre libération, ça m'arrangerait. D'accord? Ouais, mais là, vous me poussez. Je dis pas vous, hein. Quand je dis vous, puis aux US. Oui, mais vous, quoi. Ouais. Maintenant, qu'on arrête de me pousser à bout. D'accord. Parlez à vos surveillants. Et laissez-moi tranquille. Veuillez, s'il vous plaît, régler mon problème. Merci. S'il vous plaît. Et Coutray, il est là? Hein? Coutray, il est là? Ouais, je suis là. Et moi, je vous le dis. Vous... Marseille, il était là. T'étais là quand je me suis fait casser la carte. Ouais, mais tu m'as pas lâché. Non, non, mais ils étaient pas là. Ils étaient pas là. Ok. Ouais. Et vous attendez ça? Vous attendez que ça? Vous m'avez dit 5 fois la même chose. Allez, vous pouvez y aller. Vous pouvez rien régler, en fait. Non. Donnez le travail à tout le monde, c'est pas moi. Ouais. Ok. Attendez voir quelque chose avant. Salut. Vous pouvez sortir les mains des poches, il fait bon dans mon bureau, il y a du chauffage avancé, merci. Renouvellement et prolongation du régime ordinaire. De toute façon, vous ne voulez pas en sortir, vous? Non, je suis. Par contre, juste la petite évolution, la douche? Ouais, c'est bon, c'est bon. Vous n'allez pas me gonfler avec ça, franchement. Je vais pas ce que je veux. Je vais ce que je veux. Je sais pas. J'ai mal entendu, je vais pas quoi? Je fais ce que je veux, et c'est pas vous de me dire ce que j'ai à faire, hein. Je suis désolé. Hein. Si. Non, je suis désolé. Mais vous croyez que vous êtes. Ça me regarde, c'est mon problème. Hein. Non, c'est mon problème. Non, article D249.3, alors c'est lequel? De négliger, de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des lieux communs, passible de 15 jours de culé. Eh, ça fait 2 ans que je suis là, on m'a jamais fait la moindre réflexion, j'arrive ici, on casse les pieds. C'est marqué là. C'est rien à faire, c'est pénal. Pénal, ou... Je vous explique là. Vous me gonflez depuis que je suis arrivé là. J'ai pas compris. Je comprends pas ce qu'il dit. Mais il doit pas dire ce qu'on pense parce que c'est vraiment. Faites attention à vos propos, Ragoutin. Moi, j'ai rien demandé à personne, j'ai pas demandé à chier le bâtiment. Moi, je vais vous dire une bonne chose. Faites attention. Ah, du QD, j'en ai fait au moins 5 fois, j'ai au moins 5 fois au QD. C'est pas une fois de plus qui va me tuer. Et moi, je vous dis, moi, j'ai rien demandé à personne, j'étais dans mon bâtiment, dans ma cellule, j'ai rien demandé à personne. C'est tous les combien, la douche, tous les 2 jours? Non. Tous les jours même, tous les jours, ce sera impeccable. Je fais ce que je veux, j'ai rien à faire, mais c'est votre histoire. Ce que vous voulez, c'est la belle vie. Vous signez là? Si vous voulez. Ah, mais c'est bien, j'adore. Là. Vous prenez l'engagement de prendre la douche tous les jours avec cette signature? Ouais. C'est vous qui prenez l'engagement. Impeccable, il a signé. Merci. Moi, vous baissez l'entente. Bravo, par contre. C'est vous, je pense. Hé, doucement. Hé, oh, j'ai pas dû faire d'audience. Vous restez là, j'ai pas dû faire d'audience. C'est moi qui décide ici. Vous baissez l'entente. Et vous allez vous détendre. C'est vous qui allez vous détendre. Parce que je peux vous assurer que si vous voulez, jusqu'à la fin juillet que ce soit long, ça peut être très très long. Mais je n'ai rien à faire. J'ai 5 ans, je suis en prison. J'ai rien à faire. J'en ai vu des chefs, j'en ai vu craquer plus. Vous en avez fait craquer? Ouais. Ça, c'est bon, ça, on m'a craqué, t'imagines? Ouais. C'est vachement beau, faites attention. C'est okay. Vous, pardon, c'est. J'ai rien dit. Ah, j'ai cru. Allez. Et demain matin, à demain. Oh, il m'a énervé, là. Ah, il m'a vraiment énervé, votre blaireau. Un détenu qui veut pas se laver, mais. C'est pas. Il néglige l'entretien de sa cellule, moi je le passe comme ça. Ah, mais pas de lui. Est-ce que c'est une faute disciplinaire de ne pas se laver soi? De lui, non, mais la cellule, elle est dégueulasse. Je l'ai vu l'autre jour. Je elle est dégueulasse? Bien sûr. On lui met un compte rendu, là. Ça va, chef? Ouais, vous? Non, là, je vous ai dit ça pour le chien.
CSG. Vous étiez où ? CSG. C'est l'examen ? Ouais, voilà. Et ce matin, vous n'avez pas été ? Ouais, ce matin, j'ai dormi. Et pourquoi ? Je suis pas réveillé pour un examen ? C'est nouveau, ça. C'est quoi cette histoire ? C'est quoi ma politique, comment, sur le bâtiment ? Hein ? C'est quoi ma politique, comment, sur le bâtiment ? Soit on se bouge le cul, soit on reste en cellule dans la grotte. Mais donc là, vous arrivez de l'examen, là ? Ouais. Vous avez traîné dans les coursives ? Non. C'était à quelle heure, l'examen ? Il m'a appelé à 12h15. Donc là, par gentillesse, il vous a fait passer cet après-midi au lieu de ce matin ? Ouais. Et là, vous voulez la promenade ? Je sais pas, hein. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs ? Je sais pas, je vous demande conseil à vous, c'est vous les responsables, c'est eux les boss, c'est pas moi. Oui, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va voir. Ouais ? On verra la prochaine fois. On verra la prochaine fois ? Bah, pas de promenade, alors. Ok ? La prochaine fois, il faut qu'on se fasse lever. Okay. D'accord ? Voilà, allez, bon après-midi. Alors, j'ai vu mon directeur, là. Je commence, après vous me direz ce que vous voulez. Mon directeur, il m'a dit de vous dire qu'il fallait arrêter d'y écrire tous les jours. Non, mais hier, je l'ai vu. Ouais. Il m'a dit comme quoi qu'ils allaient monter vite, le plus vite possible là-haut, à l'étage. Il me l'a dit hier. Appelle-lui, il va vous dire. Ouais, mais parce que moi, j'en ai marre de rester en bas. Ça fait combien de temps que vous êtes en bas ? Ça fait des mois. Non, ça fait combien de temps exactement ? Vous ne dites pas des mois. Des mois, bah ouais. Alors, vous avez été affecté en régime ordinaire le... Le 8 février. Le 8 février ? Ouais, c'est ça. Alors... Donc là, on est le... on est fin mars, ça fait à peine 2 mois. Ça fera 2 mois dans 2 semaines. Donc on est à 1 mois et demi. Dans 2 semaines, comment ? On est à 6 semaines pour l'instant. D'accord ? Vous êtes affecté. Et vous pensez que c'est suffisant pour montrer justement que vous avez un comportement apte pour regagner le régime amélioré ? Bien sûr, parce que moi j'ai envie de préparer, j'ai pas. Non, mais c'est pas ce que vous avez envie, l'important, c'est ce que vous montrez et c'est ce que vous faites. Mais j'ai fait quoi ? Parce que vous avez envie, tout le monde a envie d'aller en régime ouvert. Moi quand j'étais venu ici, les directeurs de la santé, ils m'ont dit là-bas c'est mieux, ils m'ont pas dit que je serais enfermé. Là je suis tout le temps enfermé. Oui, je sais. Ça me fait casser, ça me fait péter les plans. Là je vais partir comme ça direct. Hein. Vous me laissez parler ou sinon ça sert à rien de venir ? Est-ce qu'il vous a dit qu'il ne fallait pas faire de tentative de pendaison, qu'il ne fallait pas menacer de se couper quand on n'est pas là-bas, etc. Il vous l'a dit ça ou pas ? Mais ça, là, ici, je suis enfermé, enfermé. Moi, je ne peux plus, là, je ne peux plus. Je ne supporte plus. Bon, je vais vous envoyer au médical immédiatement tout de suite, là, pour que vous puissiez parler à quelqu'un, d'accord ? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, moi, je vous invite à être respectueux. Mais je suis respectueux, vous pouvez avoir... Continuez, continuez. Mais descends en bas, il y a de l'eau déjà dans ma porte. Jusqu'à tout de suite, là. Ouais. Il y a de l'eau. Il n'y a personne qui l'a enlevé. C'est moi-même qui ai vidé mes serviettes, après mes serviettes. C'est votre cellule. Mais c'est ma cellule, je ne vais pas prendre mes serviettes que je me lave avec pour nettoyer la cellule. Non, ça, vous avez raison. Mais on va vous donner des serpillères et quoi nettoyer. Ça, on va s'en occuper. Hein. Par contre, là, je vais vous envoyer au médical. Pour que vous puissiez un peu parler de tout ça, d'accord, avec une infirmière. Je les ai vus. Eh bien, vous allez les revoir, là, d'accord ? J'en ai marre de rester en bas, je vous dis la vérité. Je ne pourrais plus. Je ne peux plus, là. Je ne peux plus. Moi, j'étais venu ici pour. Si, vous allez au médical. Vous vous débrouillez pour l'accompagner ? Je vous appelle immédiatement. Au revoir. Merci aussi. Au revoir. Au revoir. Merci aussi. Au revoir.
Il mange pas, il dort pas, ça fait un bout de temps que ça dure. Hein. Il n'ira jamais au bout, il a encore 2 ans à faire, il ne va jamais arriver au bout comme ça. Le souci, c'est que moi, je l'ai vu vendredi. Oui, oui, je sais. Hein. Ouais. On a parlé, il est venu 2 fois en plus, j'ai proposé d'être suivi par le psychologue plus souvent, etc. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est le moment où vous allez partir. Hein. Bah, c'est moi aussi, c'est ça, parce que c'est ça, parce que pour l'instant, tout seul. Hein. Pour l'instant, le problème, c'est qu'il justement, il est venu me voir pour être tout seul. Je veux être seul, mais c'est dangereux. Hein. Moi, il me fait peur, il me parle de suicide et tout. Je lui dis non, non, faut pas réagir comme ça. Est-ce qu'il parle de comment se suicider ou que c'est juste des idées comme ça? Ah, il m'en a parlé la nuit dernière encore. Mais est-ce qu'il dit je vais m'ouvrir les veines, je vais me pendre ou ce genre de choses? Si ça continue, je vais faire un truc, ça va pas et tout. Moi, mais il parle pas du moyen? Non, non. Bon, déjà, c'est déjà une bonne chose. Voilà. En tout cas, c'est bien que vous m'ayez écrit pour... Il est là, là ? Oui, il est là, ouais. Il dort pas ? Enfin, en même temps, il dort jamais. Il dort façon de parler, quoi. Le cerveau, il est toujours en activité, la nuit et le jour, c'est pareil. Il m'a dit ça, mais ça, Il y a des maux de tête terribles et tout. C'est usant, sans parler des rêves qu'il fait. Il fait des rêves du démon et tout, oh là là. Il voit les choses pendant la nuit et tout. Il me certifie qu'il peut les toucher et tout. Ça va loin. Ça va loin. Ah ouais, ouais. Et ça, c'est dû à quoi, enfin... Je sais pas. Ouais. Je sais pas du tout. Vous consommez des produits, vous deux? Non. Des médocs, du shit, des trucs rien comme ça de là. Non. Rien du tout. Et lui non plus, mais sinon je vous le dirai. Bah oui, parce que si c'est pour... Non. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, chef. Bon, bah, je vais faire en sorte de faire remonter l'information. Vous, ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que vous allez faire là, à la sortie? Travailler. Ouais, vous avez quelque chose? Ouais. Qu'est-ce que c'est dans quoi? Boîte à terrible. Boîte d'intérim, ouais, ça va marcher en peinture et je recherche toujours quelqu'un. Peinture, vous êtes peintre? Ouais. Ah, bah c'est bien. Il y a toujours du boulot dans la. Vous avez la famille à l'extérieur un peu pour vous soutenir, ouais? Ma mère, mes sœurs, ça va aller. Non, c'est bien. Ouais, pas de problème. Vous étiez là pourquoi, vous? Une affaire délicate, une cuite qui a mal tourné, quoi. Ah. Puis on était à deux chez une personne, on l'a tapé et tout, quoi, puis voilà. C'était la première fois, vous? Ouais. Une sale histoire. Vous étiez alcoolique, enfin, ou. Ouais. Ah, puis il y avait aussi de la drogue. Extorsion et violence est entraînée avec la petite jeunesse, ils se sont commises avec une arme. Ah, d'accord, vous avez. Ouais. Vulnérabilité apparente, t'es connu, c'était quoi, une personne âgée ou. Non, c'est une personne malade psychiatriquement. D'accord. Voilà. Et vous avez pris 7 ans. Ouais. Ah, ça m'a servi de leçon, moi je suis pas prêt de retoucher l'alcool. Ouais, bah là, de toute façon, déjà, vous avez pas pu. Terminé. Oh, mais c'est. Terminé. Bon, ben ça vous aura moins ça. Ben ça, vous avez fait combien de temps alors du coup? 5 ans. Vous avez fait 5 ans sur vos 7 ans? Ouais. Bon. Ça vous aura apporté quelque chose vraiment? Ah, bien sûr, ça laisse réfléchir. Hein. Voilà. Et puis, dans le bâtiment, il y a peut-être beaucoup d'alcoolisme aussi, non? Ouais, mais faut pas s'en occuper. Hein. Faut pas s'en. Voilà. Parce que la petite. Comment on appelle ça? La petite bouteille de whisky là, dans le. Pour lutter contre le froid, genre de choses, c'est comme ça qu'on commence. Non, mais je recommencerai pas, c'est bon. Ça m'a laissé réfléchir, j'ai eu le temps. Bon, mais c'est bien. Voilà, chef. Bon, qu'on vous revoit plus, peut-être à l'extérieur, mais pas dedans, en tout cas. Non, il n'y a aucun souci, chef. Ça marche. Allez, bonne continuation, chef. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. On va remettre les formules à l'heure tout de suite. Attends, c'est moi qui parle. J'ai fait quoi jeudi, je sais plus si c'est jeudi ou vendredi que je vous ai reçu. Jeudi, je crois. J'ai fait quoi? Soyez honnête, j'ai fait quoi? Oh, vous m'avez demandé ce qui se passait, tout ça, pourquoi j'avais arrêté, j'avais pas été à la formation APVP. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai fait quoi, moi? Bah, vous m'avez donné un coup de pouce, vous avez dit bon, bah. C'est vous plus qu'un coup de pouce, je vous ai dit, ouais. Je vous tends la perche, là, parce que. C'est-à-dire que je vous ai reçu déjà le mardi d'avant, pour vous demander par rapport à la cuisine, ça peut vous intéresser. J'en ai discuté avec le premier surveillant ici présent, essayez de vous booster. Moi, ouais. Je veux bien vous lancer, quoi, il n'y a pas de souci, quoi. Je m'engage personnellement. Auprès de la formatrice pour vous faire avancer. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Vous me plantez un couteau dans le dos? Mais c'est pour ça que je vous convoque tout de suite, là, parce que là j'ai un signe. Non, mais vous avez compris, là. Je reçois un coup de fil, là, de votre formatrice qui me dit qu'est-ce qui se passe. Elle me dit il devait se présenter ce matin, il n'est pas là. J'ai reçu un courrier qui stipule qu'il s'excuse, qu'il n'ose pas venir. Vous me faites quoi, là? Non, je ne sais pas, je ne vais pas bien, quoi. Non, attendez. Une formation, c'est quand même au mérite, les gars. Ouais, c'est arrivé à un moment. À un moment, il faut sortir les doigts des fesses et montrer qu'on est capable de réintégrer la vie de tous les jours. En plus, la formation, elle n'est pas de bonheur quand même. Non, c'est bien. Donc, vous avez largement le temps de vous préparer le matin. Les cuisines, à 7h30, ils sont au taf, les mecs. Ouais, je sais. Si à 9h, vous n'êtes pas capable d'être prêt, à 7h30, c'est même pas la peine. Et dehors, vous savez très bien comment ça se passe aussi. Moi, je suis patron, je vous emploie, vous venez pas 2 jours, dehors à la rue.
qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on retourne à la délinquance et c'est reparti pour un tour. Parce que être poli, courtois avec le personnel, ça c'est une chose, c'est nickel et c'est très bien, c'est ce qu'on demande de toute façon sur le bâtiment, ça c'est pour la gestion de la détention. Bah oui. Maintenant, moi, c'est pour nous que je parle. Moi, je parle pas pour moi, mais ma vie, elle est. Non, moi, je vais construire, moi, à l'avance, ma vie, quoi. Moi, ça dépend, quoi. Si vous baissez les bras parce que bah, vous avez pris une peine de plus, vous me l'avez dit l'autre jour, ce qui s'est passé. Vous êtes fait gauler pour un sandwich à deux balles, vous allez ramasser derrière, c'est con. Bah, au moins, vous le savez, vous avez l'honnêteté de dire ben voilà, j'ai joué, j'ai perdu. Ben là, c'est la même chose. Je vous ai reçu jeudi ou vendredi, vous avez rejoué, vous avez perdu. Donc maintenant, ou vous vous relevez et vous avancez, ou alors vous faites comme la plupart d'ici qui ne veulent pas avancer, vous allez voir un psy et puis vous restez dans ce stade-là. Non, ça m'intéresse pas du tout. Bon, et bien voilà, alors, foutez-vous le coup de pied au cul et puis on avance, quoi. Ok? Ah bah ouais. D'accord? Allez, sur ce, terminé. Passez une bonne journée. Merci. Ah, monsieur. Au revoir. Merci, Simon. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ah, vas-y, envoie-le, tiens. Ça marche, merci. Quel misère. Robert qui arrive. Qui? Robert. Ah! Impeccable. Grande spécificité de Châteaudun, c'est vraiment le régime ordinaire. Régime ordinaire, ça veut dire régime fermé, donc type maison d'arrêt. Vous êtes nos yeux et nos oreilles en détention. Si vous avez des personnes en régime ouvert, vous pensez que leur comportement est incompatible, il faut nous le dire, il faut l'écrire, il faut l'étayer aussi, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire, lui, ça ne va pas en régime ouvert. Il faut vraiment nous l'expliquer. Et c'est comme ça que nous, on arrive à gérer en virant des étages tous les personnes qui ne le méritent pas, en les concentrant au zéro, et ce qui permet d'avoir des étages qui fonctionnent et d'avoir un bâtiment et même une détention qui fonctionne. C'est très important. Le régime ordinaire, c'est vraiment la base du fonctionnement du CD de Châteaudun. Et nous, chefs de bâtiment, on ne peut pas le faire correctement sans vous. Ce qui tient ici les détenus, ce qui fait qu'on arrive à tenir notre détention, c'est essentiellement les aménagements de peine. Les détenus viennent, demandent à venir à Châteaudun pour ça. C'est la carotte de la permission de sortir et de la semi-liberté qui fait qu'on les tient. Alors nous, bien sûr, enfin vous savez comment ça marche, on a un avis consultatif. On va dire, voilà, il a ce comportement-là, il travaille, il paye ses parties civiles. Disciplinairement, ça va, ou pas. Et après, bien sûr, c'est le juge qui décide. Mais notre avis est important, et c'est pour ça, cet avis, on ne peut l'avoir que grâce à vous, les surveillants. Vous avez votre bouton d'alarme, s'il y a le moindre souci, vous appuyez, ça va venir. Pas hésiter, pour ça, même si vous appuyez pour rien, vaut mieux appuyer pour rien qu'appuyer trop tard. Ça mettra tout le monde dans l'embarras. Donc, faut pas hésiter. Et donc, si vous avez la moindre question, n'importe quand, il y a toujours ou moi ou le premier surveillant Gauthier. Donc, le bureau, il est toujours ouvert hein, pour vous. Vous aurez les clés pour l'ouvrir. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours venir nous voir quand vous avez une question, un problème, etc. Et si vous ne savez pas, si un détenu vous demande quelque chose, vous ne savez pas, vous dites, je ne sais pas et je vais demander. Mais bon, ça, vous l'avez fait en stage, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Ben, merci. Et puis, bonne intégration à Châteaudun. Ben, merci. Appelez-moi un paquet de canne, là. Oh, le friseur! Oh, le friseur! Espèce de tabis! Petit gros! Monsieur Gauthier, bâtiment, j'écoute. Qu'est-ce qui me fait croire que vous allez pas recommencer là tout de suite? Franchement, en sortant, je repasse mon permis, monsieur Simon. Déjà, ça, c'est une de mes priorités. D'accord, et puis, faire de la prison comme ça, pour des trucs inutiles comme ça, qui me paraît très important. M'intéresse pas du tout. Moi, je vais essayer de faire un petit crédit dehors, je peux travailler pour essayer de m'acheter un petit terrain, tout ça. Puis me mettre avec ma copine, tout ça. C'est pour ça que j'ai pas du tout envie de retomber en prison pour des trucs pareils, du moment que j'ai un travail, tout ça dehors. Parce que là, qu'est-ce qui vous emmène? Parce que vous êtes en récidive, là. C'est pour un délit de fuite. Ouais, en récidive. À votre avis, qu'est-ce que je demets comme avis? Ah, chef, c'est vous qui voyez. Ah, c'est sûr. C'est vous qui voyez. C'est moi qui vois, ça, c'est sûr. Ouais. Et à votre avis, qu'est-ce que je pourrais mettre par rapport à votre comportement et ainsi de suite? Je pense que c'est bien. C'est pas mal, quoi. Ouais. Et vous pensez que le comportement que vous avez eu au sein de la prison, vous pouvez avoir le même à l'extérieur? Ah oui, bien sûr. Ouais. Sans souci? Ah oui, ça c'est sûr.
pense qu'avec mon avec un petit travail, tout ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Moi, je pense que ce qui serait bien, c'est que vous fassiez un petit. Mmh. D'accord. Et ça va vous mettre un petit peu de plomb dans la cervelle. Ça, c'est vrai, ça. Et je pense que les conneries, elles... C'est vrai. Ça serait mis de côté. Enfin, je le souhaite, en tout cas. Bah, moi aussi, je le souhaite. Puis même ma copine, elle le souhaite. Faut savoir tout ça, bon. Oui, parce que c'est pareil. Au bout d'un moment, la copine... Hein. Il n'y a plus de copine, après. C'est bon, parce que les câlins, elle les veut avec quelqu'un, pas avec n'importe qui. Exactement. Donc, arrive un moment, elle en voudra des câlins. C'est pour ça, même. Mais depuis le temps, elle a toujours voulu que je travaille, tout ça. Même mes parents, il faut que je travaille. Avant que je tombe en prison, j'avais été voir fou ce travail-là. Et je suis retombé entre deux. Ça fait plus d'un an que la dame m'attend pour travailler. Je pense que c'est pour ça qu'elle a bien dit que si c'était pas bon là, je crois qu'il fallait du monde après. Parce qu'elle a vraiment besoin de monter. Et les parents, ils sont déjà venus en prison ou pas? Mon père, il était, ouais. Ouais. Il y a une dizaine d'années à peu près. Bon, j'ai mis un avis favorable compte tenu de votre âge, de votre parcours pénitentiaire, qui me semble relativement correct. D'ailleurs, il faut que je finisse de marquer. Il semble avoir pris conscience des faits commis et vouloir réellement se réinsérer. J'émets un avis favorable à la demande. Alors, quand il va se présenter devant la juge, il est beau, il est tout propre. C'est oui madame, c'est bonjour, c'est au revoir, c'est merci. Propre comme un camion, alors il évite le jogging, le machin. Un petit jean, je vais mettre une petite chemise s'il y a moyen. Voilà, bon, pas non plus costard cravate. Hein. Bah, j'en ai pas de toute façon. Voilà, non mais de toute façon, ouais, après on n'y croit plus non plus, ça fait le mec qui joue. Ouais, un bon. Petit jean et puis un petit maillot. Hein, voilà, propre, bien net. Sûr. Et alors la politesse de tous les jours. Bien sûr, il n'y a pas de problème là-dessus, chef. Ça marche ? Il n'y a pas de problème. Bonne fin de journée, bon courage. Ok, merci. Et puis bonne chance pour la suite. Merci, pas de problème. Au revoir, puis bon après-midi. Merci de même. Vous êtes d'où, vous ? Bah, je suis parisien. Hein. Vous êtes de Paris ? Vous êtes de la famille sur Paris ? Non. Non ? C'est... Vous avez une maison, enfin, pourquoi vous dites que vous êtes de Paris ? C'est là où vous avez... J'ai toujours vécu à Paris. Vous avez toujours vécu à Paris ? D'accord, mais vous êtes proche de chez vous, comme ça ? La chose de là. Oui, enfin bon... Ça fait combien de temps que vous êtes en prison là? Ça va faire 2 ans le 26 avril. 2 ans le 26 avril, oui. Et d'autres incarcérations avant, vous me parliez... Oui, depuis 1981, c'est partout à la pénitentiaire, oui. Depuis 1981, vous êtes régulièrement en prison. 1981, ça fait 20 ans. Oui, là j'arrive à 26 ans de détention, donc... Combien? Presque 26 ans. 26 ans de détention, ouais, vous avez quel âge? 46, 47 bientôt, oui. Donc vous avez, depuis 20 ans... Depuis 17 ans, oui. Vous êtes incarcéré en tant que mineur, c'était quoi vos faits à chaque fois? Bah, le premier délit, ça a été pour 3 grammes de shit. J'ai pris 8 mois de prison ferme en tant que primaire et mineur. Après, à 18 ans, pour émission de détection provision, j'ai pris 2 ans. Et après, ça a été que des histoires d'escroquerie. D'accord. Et vous n'avez jamais réussi à vous réinsérer parce que c'est plusieurs petites peines, on est d'accord? Ou vous avez eu une grande peine dans le lot? Non, j'ai toujours été condamné à des peines de 2 ans, 3 ans maximum. Oui. D'accord. Et pendant que vous avez fait rentrer, sortir, sans jamais réussir à vous réinsérer et donc à ne pas revenir? Oui, c'est pas en proche, je vous demande. Non, mais il y a un peu de ça, mais bon, il faut savoir que quand on a vécu 1, 2, 3 ou 4 détentions, après se réinsérer, c'est la foutaise. Mmh. Moi, je peux pas vous dire, le matin, quand je sors de la prison, je ne vais pas revenir un jour ou un autre, j'en sais strictement rien. Vous dites que j'ai rien fait, si, j'ai fait un doctorat de philosophie, attention, j'ai fait un test. Vous ne m'avez pas compris. On va en parler de votre doctorat de philosophie, si vous voulez. Il n'y avait pas de reproche dans ce que je disais. Ce que je voulais, c'est que vous m'expliquiez, en fait, pourquoi le fait d'être allé en prison ne vous avait pas permis de ne pas y retourner. C'est ça qui m'intéressait. Mais il n'y avait pas de reproche. Je ne vous reproche pas. De toute façon, c'est votre vie, entre guillemets. Mais bon, comprenez que vous me dites que vous avez fait plusieurs petites peines, c'est quand même un échec du système carcéral. On est d'accord. C'est clair. On est d'accord. Vous rentrez, vous ressortez, vous rentrez, vous ressortez. Combien de... Vous savez combien de fois vous êtes rentré, sorti ? 25 fois. 25 fois. Enfin, j'ai 25 condamnations pénales. Hein. 25 condamnations pénales. Et combien de fois vous êtes sorti, rentré, vous savez Sur le 80 à 2010, j'ai dû rester 300 heures. Oui. D'accord. Mais je suis content d'avoir eu cet entretien avec vous. Moi aussi. Ça m'a permis de vous faire un peu plus connaissance, parce que c'est vrai que vous ne connaissez pas trop, donc comme ça, c'est bien. Voilà, bah, bonne soirée alors. Merci. Bon allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.
qui est notre juge de ligne? Ou en face, mais qui c'est l'arbitre d'ailleurs, je le vois même pas là. C'est le mec Fana, je sais pas quoi, le mec du A. Ah, c'est le mec Fana du A? Ouais. Ah, interception. Il faut faire ça, non? Où? Là. Là, qui court là. Là, mais non, c'est pas Fouga. C'est. Comment il s'appelle là? Le premier. En jaune, là. Oui, le premier. Ah, là! Ouais. Ah, oui, ça c'est clair, ça. Faute, penalty là. Allez, le B. Allez, le B, ouais. Moi, je ne pense pas qu'en durcissant les conditions de détention ou même en augmentant la durée des peines, on arrivera à lutter contre la criminalité et la délinquance en général. Je pense sincèrement que si on luttait déjà contre la pauvreté, contre les problèmes sociaux, on résoudrait une bonne partie des problèmes de criminalité et de délinquance. Bien sûr. Bah, s'il y a un taux de récidive qui est aussi important, c'est important en France, on ne peut pas se poser de questions. Enfin, si, justement, il faudrait se poser la question pourquoi. La prison ne dissuade pas. Est-ce que la prison sert à quelque chose? Est-ce que fermer quelqu'un entre quatre murs sert à quelque chose? Je suis un peu sceptique, hein, mais bon, après, c'est... On retire la... D'un côté, on retire cette personne de la société. On retire les tueurs, les voleurs... On protège la société. On protège la société. Mais après, sur le fond, on fait quoi? On protège la société. Ben voilà, on est d'accord. Et on essaye de... On soigne la forme, mais pas le fond. On va pas chercher à l'intérieur ce qu'il y a à soigner. Enfin, je pense, on essaye. T'as jamais eu un détenu qui t'a dit « la prison m'a changé grâce à la prison » Si, mais je pense que là, c'est pas une généralité. Quoi. C'est même carrément l'exception. Ouais, je pense que c'est une exception. Mais il y en a qu'on arrive à sauver. On demande à l'incarcération de la personne de pallier à tout ce qu'il y a eu en manquement auparavant. Il faut arrêter de rêver. Je suis pas son père, je suis pas son prof, je suis pas son médecin, je suis pas tout ça. Enfin, non. C'est, voilà. Donc on l'enferme, mais pendant ce laps de temps, il faut qu'on fasse des miracles, en fait. Et on n'est pas Dieu non plus. Hein. Faut quand même être logique aussi. Moi, à 34 balais, si demain je suis plus dans la pénitentiaire, je fais quoi? Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. La vie à l'extérieur est peut-être plus difficile qu'elle ne l'est à l'intérieur. Donc à un moment, ouais, il va falloir que les politiques se posent la réelle question, on fait quoi? Soit on continue, on peut en construire des prisons, hein. C'est pas un problème. Hein. On est dans la Beauce ici, hein. La Beauce c'est immense, c'est plein, on peut en mettre partout des prisons. Pas un problème, on peut réduire le personnel, c'est pas un problème, on va rajouter des grilles. Pas de souci, on peut les enfermer 15 ans de plus que prévu, c'est pas un problème. Il y aura toujours des miradors autour, on arrivera à les garder. Mais un jour, il va falloir les faire sortir, ou alors on les fait plus sortir. On met une réelle perpétuité ou on remet la peine de mort. On fait quelque chose. Mais on arrête de se voiler la face. Quoi. Parce qu'on a beau faire des beaux textes, des belles lois, des machins, mais il n'y a rien derrière. En plus, on a des personnes dont le comportement va se dégrader en prison. Donc non seulement certains ne vont pas être réinsérés après leur passage en prison, mais d'autres, ça va être pire. Et ça, c'est vrai que c'est un gros souci. Hein. C'est un gros souci. Hein. Si on a envie que ça aboutisse, ben, faut donner les moyens. Il faut donner les moyens. Et les moyens, c'est quoi? Ben, c'est toujours la même chose, le nerf de la guerre. Hein. C'est le pognon. C'est le pognon, c'est les moyens, c'est le matériel, c'est l'humain. C'est tout ça. On forme des gens. Pour former des gens, il faut payer. Pour que ces gens fassent quelque chose, il faut aussi les payer. Pour que les détenus se sentent bien et qu'ils avancent ou qu'il y ait quoi que ce soit, il faut payer. Et puis voilà, c'est tout le temps ça. Seulement, faut être honnête aussi. Quoi. Qui c'est qui paye? C'est nous. C'est l'État. Thank you.
vie pour payer ta pire tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le petit pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme même de Nice. Antisocial, tu perds ton sang froid. Repose à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de sévice. Ok, désolé. Yes. Dans la vie. Je fais un tennis là. Antisocial. Antisocial.